L'unique et la vraie actualité, c'est dans Focus. Au menu de cette première édition, du sport, de l'économie et des informations en société. Le sport, c'est la vie, nous dit l'adage populaire. Le dimanche 19 mai, les habitants de Williamsville se sont réunis dès 5h du matin pour une séance de sport collectif. Sous la houlette du coach Bama, ils entament les exercices physiques par plusieurs tours du terrain de football pendant environ 30 minutes. Ensuite, les exercices de gymnastique et d'étirement s'enchaînent. Notons que chaque séance est gratuite, mais un don volontaire à hauteur de 100 francs CFA est demandé à chaque participant. Katiola, chef-lieu de la région du Handball, est dépourvu de moyens de transport urbain. Selon Élisée Daléba, habitant du quartier Gbedeka 2 de Katiola, les voies qui rallient les différents quartiers de la cité ne sont pas bitumées. Belle occasion pour les chauffeurs de taxi-moto de se remplir les poches en fixant leur prix entre 300 et 1000 francs CFA, alors que les tricycles, eux par contre, offrent un tarif unique de 200 francs CFA. Le vendredi 17 mai, l'ONG Comité international de secours a procédé à une distribution de tablettes à des jeunes dans la commune de Yopougon. Ils étaient 31 au total à avoir reçu ces appareils dans le cadre du projet de renforcement des opportunités pour les jeunes. Ce projet vise à renforcer les capacités des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle. Par conséquent, ces tablettes faciliteront la formation des bénéficiaires dans les domaines de l'énergie solaire, le marketing digital et l'énergie domestique. Focus, c'est tout pour cette première édition de la journée. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages affichées au bas de l'écran, comme toujours. Mais surtout, restez focus.